Mes amis, pour terminer la journée heureux ou commencer la journée, le psaume 143, verset 9. Le roi David a prié ainsi, « Délivre-moi, Seigneur, de mes ennemis. » Vous avez quelqu'un qui veut vous faire une méchanceté contre vous? Ne restez pas à désirer que cette personne trébuche, non. Qu'elle chute, qu'elle se casse la figure, au contraire, pleurez pour elle. Parce qu'elle est en train d'étendre la main contre une personne et elle va payer un prix élevé pour cela. Alors David a dit « Délivre-moi de mes ennemis, parce qu'il vous délivre aussi de maudire vos ennemis. Je me cache auprès de toi. Vous pouvez vous réfugier en Dieu. Ce que la personne dit ne va même pas vous affecter. Vous allez être une bénédiction pour toujours, au nom de Jésus de Nazareth. » Vous pouvez avoir la certitude que cette prière est faite en accord comme elle a été faite par David et elle doit être faite en accord avec la volonté de Dieu. Dieu veut vous libérer et veut que vous vous réfugiez en lui. Voyez ce témoignage. Une douleur aux jambes, car je restais tout le temps alité. Diabète. Comment vous marchez, Maria? Ah, je marchais comme... À présent, comme marchez ça. Normalement, Maria. Oui. Oh, gloire à Dieu. Nous allons maintenant faire une prière. Père, je clame vers toi en faveur de cette personne et je demande ton aide, Père. Je vais la bénir maintenant. Et tout le mal qui est dans cette vie sort, va s'en aller au nom de Jésus-Christ. Et vous dites Amen.